Bonjour chers amis, bienvenue à nouveau pour cette nouvelle vidéo, une vidéo qui fait partie d'un défi que je me suis fixé et que je partage avec vous, le défi qui fait partie du programme Millésime, votre meilleure année. Alors dans cette vidéo bien entendu, dans cette vidéo quotidienne, je vous dévoile un peu ma vie, ou en tout cas ma vie, si je peux le dire ainsi, en tout cas ce qui se passe chaque jour dans ma vie, des événements et des moments marquants de ma vie et comment je gère un petit peu les choses qui me touchent comme les choses qui peuvent vous toucher vous dans votre vie. Et tant je suis optimiste au possible et en général tout se passe bien ou en tout cas j'ai l'impression ou en tout cas je donne une tournure positive à ce qui m'arrive, il y a des jours où les choses ne vont pas bien. Et donc hier, je partage avec vous ma douleur, parce que c'est vraiment le mot, et j'ose utiliser ce mot, cette douleur, cette déception d'avoir été trahi par quelqu'un que j'estimais être un ami, quelqu'un en qui j'ai mis ma confiance, quelqu'un en qui j'ai investi, quelque chose que vous devez tous connaître. Ça nous arrive à tous de croire en quelqu'un en particulier, et attention, je ne veux pas généraliser, je tiens à le dire, parce que s'il y a bien quelque chose qui me touche, c'est pas parce que j'ai une déception, voire même plusieurs, parce que c'est vrai que, passé la quarantaine, je pense qu'on a rencontré plusieurs déceptions dans les uns et les autres, mais mes bonheurs sont plus nombreux que mes déceptions, et c'est ce qui m'aide. Et je vous expliquais hier que cette trahison m'a énormément affecté, m'a fait poser énormément de questions, je me suis remis moi-même en question, et j'ai passé une très mauvaise nuit. J'ai passé une très mauvaise nuit, tout simplement parce que on cherche à comprendre. Il y a différentes émotions qui sont mélangées, les émotions de la colère, de l'incompréhension, de la déception. Vous essayez de refaire l'histoire à l'envers. Hein. Vous savez, voilà, on est pareil, on est tous pareils. On a tous des émotions qui sont équivalentes. Maintenant, comment je gère ça? Je dois admettre qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore bien digéré, pour le dire ainsi. Hein, je pense que c'est même métaphorique de dire digérer, parce que c'est vrai que j'en ai des aigreurs d'estomac tellement ça me touche. J'ai mal dormi, mais il faut que je continue à bosser. Et puis bon, là franchement, faire cette vidéo, c'était particulièrement compliqué, déjà hier et aujourd'hui. Mais voilà, je veux relever ce défi et je veux que vous montrer ce que c'est que être optimiste dans la pratique, être optimiste au quotidien et être optimiste surtout dans des moments tels que celui-ci. Voilà, c'est difficile. Comment rester optimiste? C'est de toute façon rester, ça ce qui est certain pour moi, c'est rester fidèle à mes valeurs, à mes croyances, que les hommes en général, pour moi, ne sont pas mauvais. Les hommes en général sont plutôt principalement bons et j'en suis vraiment profondément convaincu. En revanche, ce que je sais, c'est que les hommes sont aussi profondément maladroits, même dans leurs bonnes intentions, et sans oublier qu'ils ont aussi parfois de mauvaises intentions, ça j'en ai conscience aussi, et je pense que ce qui m'arrive hier, c'est aussi, j'ai affaire à quelqu'un qui avait probablement de mauvaises intentions, hein. Au bout de 24 heures, il y a des choses qui prennent leur place, vous savez, il y a eu des petites choses qui sont passées, des petits signaux qui vous ont été envoyés, vous savez, votre système d'alerte émotionnel vous a envoyé des petits signaux, mais vous n'avez pas voulu les écouter, j'ai eu pareil. Et vous savez, ce qui est particulier, c'est que comme par hasard, cette personne-là me doit de l'argent. Tiens donc, me répond plus. Je sais que les gens sont profondément bons, sont profondément maladroits, et je pense que si je suis blessé, bon déjà c'est une question de perception, hein. Et puis si je me mets dans cette position où je suis convaincu que les gens sont plutôt maladroits que mauvais, déjà ça m'aide, et c'est ce qui m'aide aujourd'hui, même si dans ce cas spécifique je suis quasiment convaincu que c'est pas de la maladresse, mais réellement je veux dire, basé sur des mauvais sentiments, en tout cas de mauvaises intentions, c'est comme ça. Donc je continue à faire ces vidéos, je continue à les faire, je vais au bout de ce défi, je vais au bout de ce défi pour moi, parce que ça me force à analyser mes comportements, et ça me force également à partager avec vous, dans la pratique, comment mettre en pratique, en effet, un esprit positif, même si des circonstances ne nous poussent pas à se sentir bien, comme c'est le cas aujourd'hui.
Mais je sais que demain, ça ira mieux. Je sais qu'après-demain, j'irai encore mieux. Je sais que c'est une question de jours. Je donne le temps au temps. Ce que je sais aussi, c'est que je n'entretiens pas d'animosité. Je ne suis pas pourvu de rancune. Et je pense que ça, c'est un élément très important dans ce processus d'optimisme. Il y a le téléphone qui sonne. Bon, vous voyez, ce n'est pas répété. Hein. Dans ce processus d'optimisme, c'est justement se concentrer sur les choses qui vont vous faire du bien parce qu'on sait que certaines émotions vont être plus toxiques que d'autres. Et celles-ci, je les refuse. Voilà. C'est la petite vidéo pour aujourd'hui. C'est comment je me sens aujourd'hui. Je pense que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître dans ce que je cite ici. On est tous passés par là. Et dans la vidéo hebdomadaire, je développerai, j'expliquerai un petit peu la mécanique, un petit peu de comment on peut arriver à faire ce que je fais aujourd'hui. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et je vous dis à très vite. Et si vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton qui vous permet d'accéder à mon programme Millésime, votre meilleure année, faites-le. Les liens sont où vous voulez, en dessous, peu importe. Je vous dis à demain et demain sera encore une meilleure journée. En tout cas, le fait d'être là avec vous, ça me fait déjà beaucoup de bien. Et je vous remercie de me regarder, je vous remercie de m'encourager pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Voilà, ça fait du bien, ça aide, ça, faut dire ce qui est. À demain, ciao.